Et ben, les amis, suite de la vidéo précédente. Donc, après avoir tué un soldat hein, qui s'est fait bouffer par les rats qui nous a aidés, je l'ai trahi. Je m'en battais les reins. Moi, je veux, c'est sauver mon petit frère et une cassée de cité. Cassée de cette région maudite. Donc, c'est parti pour la suite. Allez, on y va! C'est bon, j'ai fait le tour. Inutile de chercher ici. Ah, il y en a un paquet de soldats alors. Bon. Un gros feu de nous, ils ont fait un gros feu les bâtards là. Nettoyeurs font leur travail. Tu parles d'un nettoyage. La plupart de ces gens étaient même pas malades. La bête vit le quartier. C'est un massacre. Potentiellement, ils sont tous atteints. On peut pas risquer de laisser quelqu'un sortir. Tu le sais. C'est pour ça qu'ils ont condamné la ville. Oui, piéger les gens à l'intérieur, puis s'en débarrasser. C'est une tactique de guerre.
crois qu'on aura vu Joseph. On retourne à la maison au plus vite. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Je ne pensais pas qu'il serait pire que l'Inquisition. Plus rien ne m'étonne, tu sais. Si seulement le comte avait été là, il aurait pris les bonnes décisions. On aurait pu lui demander une audience et... Et quoi ? On lui aurait dit qu'on amenait les rats et la mort dans sa ville. Il n'y a aucune issue, il n'y en a jamais eu. C'est trop tard de toute façon. L'épicentre est ici. Et ça va se répandre. Bougez pas de là, vous m'entendez ? C'était... C'est quoi ? Rien à signaler. C'est juste ton pote qui s'est fait bouffer. Pas lui. Allez, lève-toi. Debout. On l'a tué. Le meurtrier doit pas être loin. Quoi encore? Je sais, vous êtes à moi. Oh non. Putain. C'est tout ce que tu sais faire. On se cache ? Je
vous aurez quand même. On n'a pas beaucoup de temps. Alors vous faites comme je viens de faire, vous avez hop hop hop, vous êtes passé. Bon, le plus chiant, c'est d'éviter de tomber sur des rats. Sinon, on va y laisser quelques petits bouts. Maintenant, je sais où vous vous cachez. Oh non. C'était eux, c'est sûr. On essaie de me tuer? Viens par ici! Ils sont là! Je les vois! On est repérés! Et merde! Ah putain, mais cours, espèce de pétasse! Tu peux pas te barrer, hein! Ah, dès que tu te fais choper, c'est mort! Putain! Ça me pète les couilles, ça, sérieux!
Joseph sait se battre. C'est un bon point. On n'est pas seul. Aucun signe d'eux. Mieux vaut aller voir ailleurs. Ils sont peut-être par là. Ça a l'air parfaitement normal. Quelqu'un se cache dans le coin! Cherchez partout! C'est quoi ça? Bien, allons voir plus loin. C'est ça. Aucune trace d'eux. Il faut que j'avale la batte, comme ça je peux passer tranquillement vers l'autre côté.
digne de confiance. C'est peut-être l'aide qu'on attendait. Les mercenaires n'ont foi qu'en l'argent. C'est nous l'argent. Et on a besoin d'aide. Le reste m'est bien égal. Y'a rien par ici. Où est le bateau de Joseph? Le ponton est forcément derrière cette porte. S'il y est déjà amarré. Il a peut-être des problèmes. Il faut se dépêcher. Quelle porte? Restez là gentiment, d'accord? Avec les rats, on dirait, hein. Je reste en vue aussi. Peut-être un stupéfaction. Très bien. Ça ne dure pas longtemps. Il faut être rapide. Une seconde. C'est quoi? On doit se cacher. Vous croyez très dans les gens, mais c'est pas vivant. Restez là gentiment. Où est-ce que vous avez filé? Vous n'arrivez pas, je vous aurai! C'était chaud. Ouf. Ouf. J'ai cru que vous ne viendriez jamais. Venez!
Merci de nous avoir attendus. Et pour le coup de main. Vous aussi, vous m'avez aidé. Bon, où est le reste du groupe? En ville, ils préparent le voyage. Je dois... Hugo! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais les chercher. Retrouvez-nous au quai, près de la maison! Sois prudente! Qu'est-ce qui se passe? Ah non! Je veux bien, mais une cinématique, un point game de jeu. Vous pensez que c'était quoi? Je sais pas. Ça m'a réveillé. Ah, la maison! C'est mauvais signe, je vous le dis. Respectez le couvre-feu, rentrez chez vous! Que se passe-t-il? On doit savoir. Dites la vérité. Non! Fuyez vite! Ah, j'ai pas eu le temps! Oh, c'est de la merde! Mais putain! Pourquoi qu'elle se pousse pas la vieille putain là? Celle-là la sortie fait chier.
J'ai fait un cauchemar. Je sais. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut partir, avant que toute la maison ne s'effondre. Oui, Lucas doit nous attendre sur le quai. Venez. Putain, c'était chaud. Oh la vache. Amicia, je devrais le porter. Je m'en charge. La ville, elle a disparu. Toute la ville. Nous devons partir. C'est sans précédent. Et bien sur ce, les amis, je vais m'arrêter ici sur cette vidéo et je vais vous reprendre la suite dès maintenant. Portez-vous bien, ciao ciao.